Pour être potable, l'eau distribuée subit un traitement physico-chimique. L'eau passe d'abord dans un système de pré-traitement à travers des grilles. Là, elle se débarrasse du sable et des corps volumineux. L'eau arrive dans un bassin de stockage où elle est déshuilée. On en évacue les objets flottants. L'étape de sédimentation permet d'éliminer les matières organiques. L'eau subit alors un traitement chimique. Des agents de flocculation y sont ajoutés. Après précipitation, des flocons se déposent au fond des bassins de décantation. Les boues organiques évacuées sont épaissies, puis stockées dans des bassins d'assèchement. Elles peuvent être utilisées comme engrais. L'eau est filtrée à travers du sable. L'étape de stérilisation comprend l'ozonation et la post-chloration. Des bulles d'ozone sont d'abord diffusées dans l'eau pour la stériliser. L'eau subit un dernier traitement au chlore. Cette eau stérilisée peut ensuite être déchlorée par du bioxyde de soufre dans un réservoir. C'est la sulfonation. L'eau ainsi traitée est prête à être consommée.